de sa soumission au taux, on était là pour David avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte, demander une soumission. Sur la piste à 1. Dans le tableau des 8 maintenant, Fleuret masculin, ce sera Louis Lévesque et Édouard Boulet. Thank you.
Thank you.
troisième période. Édouard Boulet. 14-3. Halte. L'attaque. On va là. En garde. Ferme. Allez. Louis Lévesque avec tous gagnants pour le 15e point qui remporte son match du tableau des 8. Alors, la reprise du point gagnant pour Louis Lévesque. Maintenant du prochain match sur la piste. Du collège Saint-Bernard depuis 9h ce matin. L'équipe de fleuret masculin et l'équipe féminine qui se déroule à l'individuel cet après-midi montrera la compétition par équipe. Deux athlètes par région. Et on vous rappelle que mardi, le 3 mars. De 8h30, ouverture des finales. De 8h30 à 12h30, nous vous présenterons les 10 finales de cette compétition d'escrime. La 50e finale des Jeux du Québec pour le monde hiver 2015.
Sur la liste numéro 1, Christophe Robert, lui l'évêque de la Rive-Sud, sur la Rive-Sud, sud-ouest. De retour à la compétition, mesdames, messieurs. On est maintenant dans la demi-finale du fleuret masculin, opposant Louis Lévesque à Ray Gavin. On vérifie les armes, on vérifie le tableau. On salue, on souhaite bonne chance. Toute une demi-finale en perspective. Ouais, allez. Le gagnant de ce match se retrouvera en finale mardi matin. De
Allez.
Halt. Retour de notre analyste, Maître Dominique Tessard, pour ce match de demi-finale entre Louis Lévesque et Hey Gavin. Oui, alors Louis Lévesque a droit du club de jury, qui est du club des Sprints Olympia de Longueuil, de la Rive-Sud, donc. Et M. Gavin, lui, qui est de Sud-Ouest, qui s'adresse au collège Régina Fontin, avec Maître Henri Sassine. Alors que Louis Lévesque s'entraîne avec moi-même. Et Hélène Labarre également. Donc, lui, l'évêque mène 12 touches à 9 pour ce match et pour accéder à la grande finale qui aura lieu mardi matin, comme toutes les finales des épreuves individuelles et par équipe. Toutes les finales seront rassemblées mardi matin. Regarde! Prochain match sur la même piste numéro 1 opposera tout à l'heure après ce match Guillaume Bégin de la République de Stéphane Olympia de Montréal, Nicolas Beaulieu, de la région Chaudière-Appalaches, du club d'escrime Esquadra. Par Abritos de Lillevec, qui mène l'équipe en contrôle pour ce match, qui mène maintenant 13 touches à 9. Il y a deux points de la victoire
deux points pour accéder à la grande finale. Ouais, le départ en réponse, c'est 14 à 9. Même si je regarde le classement qui était préalablement déterminé, l'ordre a été respecté 1 à 3, 4, après les poules, exactement. Oui, oui, tout à fait. Après les poules, on avait 1, 2, 3, 1, Louis Lévesque. Regarde. C'est ici qui va certainement accéder à la finale. Les deux, Nicolas Beaulieu. Gavin qui avait fini numéro 4 après les poules. Ouais, et Guillaume Bégin. Il va finir à Gavin avec médaille de bronze. Regarde. Certainement. Le match n'est pas encore fini, 14-9, mais bon. Tout peut se passer. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a rien acquis tant que la dernière touche n'a pas été mise. Tout reste possible. Allez. Action simultanée. Là, les deux tireurs ont attaqué en même temps. Puisque Fleuret, une convention, celui qui attaque est prioritaire. Et voilà, attaque de Louis Lévesque. Donc, il accède à cette grande finale. Il gagne son match 15 touches à 9. Dans quelques instants, l'autre demi-finale va opposer Guillaume Bégin, là ici, à Nicolas Beaulieu du club de la région Chaudière-Appalaches. De retour dans quelques instants. On vous montre la reprise du point gagnant de Louis Lévesque. Très satisfait de sa victoire. De retour dans quelques instants. La piste numéro 1, deuxième demi-finale, je vous remercie de Nicolas Beaulieu, de la région Chaudière-Appalaches. Cinquantième finale de Jeux du Québec pour Romain Bélivert 2015. La deuxième demi-finale vient de débuter. Guillaume Bégin et Nicolas Beaulieu. Deuxième reprise. Une participation à la grande finale de mardi matin au 3 mars. Dès 8h30, toutes les finales. On vous rappelle que toutes ces finales seront présentées sur TV2.ca. Le retour du maître pour analyser ce match. 1-0. Voilà, deuxième demi-finale. Donc Guillaume Bégin de la République, du club d'escrime de la Plaine-Longueuil, à gauche du président du jury, contre Nicolas Beaulieu de la région Chaudière-Appalaches. Nicolas Beaulieu est entraîné par son père, Beaulieu, et Serge Aimé, maître Aimé, qui est l'entraîneur en chef du club d'escrime Escouadra. De l'autre côté, Guillaume Bégin est entraîné par mon homme et Hélène Labarbe, le club de crime de la Plaine-Longueuil. Et il est coaché aujourd'hui par François-Olivier David, qui est un autre tireur du club de l'Olympia Montréal, qui est maintenant senior. François-Olivier David, qui a été membre de l'équipe nationale junior pendant plusieurs années, qui a fait des sauts cette année chez les seniors. Il est un excellent technicien en fleuret, François-Olivier David. Voilà, donc là, Guillaume mène 2-0 sur
Nicolas. Qui nous dit un peu de différence de gabarit. Ce deuxième est très grand. On a vu tantôt que Louis Lévesque avait quand même un léger désavantage sur Gavin, mais il ne l'a pas empêché de... Non, voilà, c'est ça, on l'a vu, il a assez dynamique, il a une bonne vitesse explosive, et il se sert de sa mobilité pour casser la distance, pour se pousser les plus grands que Gavin. Quand on parle de mobilité, est-ce qu'on a de la place sur cette piste pour bouger de gauche à droite? Non, bon, on ne doit pas dépasser les limites. Est-ce qu'il y a des feintes qui se font de gauche à droite? On peut surtout aller à l'épée, ça se fait de temps en temps moins au fleuret. Au fleuret, plus à l'épée. Il faut savoir que dès qu'un athlète passe un pied en dehors de la ligne, on arrête le combat et l'adversaire avance d'un mètre. Pour nous. Regarde, 4-2, attaque de Guillaume. On vous rappelle que cet après-midi, il y aura les compétitions par équipe. Oui, tout à fait. Par équipe de deux. Donc les deux meilleurs de chaque région vont s'affronter par équipe sous forme de relais. Donc les mêmes athlètes qu'on a vus ce matin. Absolument. Sous forme de relais, toutes les 5 pistes se repassent le relais. Alors, de l'autre côté, on a une demi-finale qui vient de se finir à l'épée féminine. Et c'est Aria Léonard de la Rive Sud de cette d'escrime Olympia de Longueuil qui vient de remporter son match 15-1 sur Mademoiselle Riopel de la région de Bourassa, du club d'escrime des Spartiates d'Angers. Elle aussi sera de retour sur les pistes mardi matin lors des grandes finales. En fait, ça c'était un quart de finale, donc on va avoir droit tout à l'heure à la demi-finale. Un quart de finale. Et l'autre quart de finale en train de se tirer. Regarde. C'était une demi-finale. Donc Anne Riopel remporte une médaille de bronze de la région de Bourassa. Partielle d'Anjou, c'était une demi-finale. Et Ariane Léonard accède à la grande finale, donc sera mardi matin. Qui aura lieu mardi matin. Et ça, et l'autre demi-finale qui est en train de se disputer sur la piste 2. Elle oppose Héloïse Verret de la capitale nationale, club d'escrime STH, Héloïse Verret qui est entraînée par Charles Saint-Hilaire, et est opposée à Bernadette Veillotrine de Montréal. Et actuellement, Bernadette mène 7 touches à 6. Et donc sur la piste numéro 1, on est toujours en première période entre Guillaume Bégin et Nicolas Bégin. Guillaume menant 6 touches à 4 pour accéder à la grande finale. Match d'accessibilité à la grande finale. Dans notre entrevue après ce match, Jackie Wu. Regarde. Elle a participé ce matin à l'épée féminine individuelle. Alors 8 à 4 pour Guillaume Bégin sur Nicolas Bonneau. Si Guillaume réussit à se qualifier pour la grande finale, on aura une finale 100% réussie, puisqu'il sera opposé pour la grande finale à Louis Lévesque qui a gagné tout à l'heure son match. Donc
Fleuret, on touche uniquement avec la pointe de l'arme. On doit exercer une pression de 500 grammes. On touche uniquement le buste qui est délimité, on voit bien, par la cuirasse électrique. Voilà. La cuirasse. La cuirasse électrique. Et le fleuret est une arme conventionnelle, c'est-à-dire celui qui attaque est prioritaire. Si on veut reprendre la priorité, on est obligé de parer, c'est-à-dire d'écarter la lame, et après on peut aller toucher ce qu'on appelle la riposte. Et de nouveau, l'autre, s'il veut reprendre la priorité, il va reparer et toucher, on appelle ça une contre-riposte. Le fleuret étant auparavant une arme d'étude. On étudiait les techniques, les bottes secrètes au fleuret dans les salles d'armes, alors que l'épée, on a vu, c'est plus une arme de duel. Donc voilà, ça c'est la pause, petite pause, puisque les matchs en 15 touches ont lieu en 3 périodes de 3 minutes. Et à chaque 3 minutes, ils ont le droit à 1 minute de repos, durant lesquelles l'entraîneur peut donner ses conseils. C'est ce qu'on voit, c'est permis en escrime. C'est ce que M. Beaulieu est en train de faire avec son fils Nicolas Beaulieu. Pendant la pause d'une minute, à chaque pause, on peut parler. François-Olivier David pour la Rive-Sud donne les derniers conseils à Guillaume B. C'est de bonne guerre aussi, ils sont en déplacement, alors un peu d'ajustement. Ouais. Alors voilà, début de la deuxième période. Donc Guillaume Bégin mène par 9 touches à 4. Un mot d'encouragement qui va faire changer le cours du match. Tout à fait. Puis un bon conseil tactique peut changer la physionomie du match. Tant que la 15e touche n'est pas passée, tout peut arriver. Donc attaque de Guillaume, 10 à 4. Allez. L'attaque de Nicolas passe. Et donc c'est une contre-attaque qui touche de la part de Guillaume. 11 à 4. Parce qu'il attaque un peu, là c'est sûr qu'il tente le tout pour le tout. Ouais. Avec donc l'attaque échoue, après le touche c'est normal. Il va la forcer s'agrandir. Toute une côte à remonter. L'attaque est parée par Guillaume, mais elle est non valable. Elle touche le pantalon, donc pas de touche accordée, toujours 11 à 4. On est donc dans la deuxième période. Le match est arbitré par M. Maurice Rieu-Lopez, qui est également athlète au club Regina Santa, au club du Cœur de Lyon, au club Regina Santa de Montréal, qui est très bon arbitre, très bon technicien. Il a comme entraîneur Maître Henri Sassine. Une sommité. Il a formé beaucoup d'Olympiens. De l'autre côté, Élise Verret a repris dessus sur Bernadette Trim, puisqu'elle mène 13 à 11. L'épée féminine pour accéder à la grande finale. Oui, Héloïse Verret de la capitale nationale du club d'escrime STH est entraînée par M. Charles Saint-Hilaire. Pendant ce temps, Nicolas Beaulieu au fleuret a mis une 5e touche. Attaque de Guillaume Béja qui porte le score à 12 touches à 5. On sent qu'il est bien en contrôle, bien en confiance. Là. Il alterne bien là, les actions offensives, ses attaques et par Andrikos. Celle-ci échoue par exemple, donc une remise d'attaque de la part de Beaulieu qui réduit le score à 6, 12 à 6. Alors de l'autre côté, donc Élise Verret a gagné son match de demi-finale à l'épée féminine par la marque de 15 touches à 13 sur Bernadette Trine Veilleux de Montréal. Donc mademoiselle Verret,
on la reverra dans quelques jours pour la grande finale de l'épée féminine. Et Louise Verret du club d'escrime STH de la région de la capitale nationale. Elle sera opposée pour la grande finale à Ariane Léonard de la Rive Sud. Elle va donner un très bon match. Deux bonnes techniciennes. Soyez des nôtres mardi matin dès 8h30 pour toutes les finales de la compétition d'escrime. Et Louise Verret, en passant, qui a une sœur qui s'appelle Alexandre Verret, qui est ici d'ailleurs présente, qui est membre de l'équipe nationale cadette, qui sera sélectionnée pour les prochains championnats de cadette en raison d'Azerbaïdjan au mois d'avril. L'escrime en famille. Oui, une excellente tireuse, Alexandre Verret. Très très gros potentiel. Gagner une médaille au dernier championnat américain il y a quelques semaines. Alors voilà, là, on revient sur la piste numéro 1, finale au fleuret masculin chez les moins de 15 ans. Guillaume Bégin va porter sa 13e touche. Il mène désormais 13 touches à 6 sur Nicolas Beaulieu. On tente tout pour le tout, le de la côté de Beaulieu. Capitale nationale, tout à fait. Alors, on prend des risques. Mais c'est encore une parade riposte du grand Guillaume, qui mène maintenant 14 à 6 et qui était à une touche de la grande finale. La touche n'a pas été accordée parce que pour l'arbitre, elle a été portée après le halt. Petit sursis pour Nicolas Beaulieu. Et il met une 7e touche, 14-7. Et c'est l'attaque de Guillaume Bégin qui conclut ce combat avec une victoire de 15 touches à 7. Il accède donc à la grande finale, qui sera une grande finale 100% Rive-Sud, puisqu'il sera opposé à Louis-l'Évêque dans quelques jours, mardi matin, pour la finale de fleuret masculin moins de 15 ans individuel. Alors, on voit la reprise du point gagnant. Voilà, dernière touche. Voilà, attaque de Guillaume Bégin, attaque contre attaque. Donc priorité Guillaume Bégin, victoire 15 à 7. Alors Dominique, une matinée. Pour moi c'est sûr que je suis content parce que j'ai deux. J'ai en finale au fleuret masculin, on a des représentants de la Rive-Sud qui sont tous les deux du club. Escrime Olympiade de Longueuil, donc belle performance pour ces deux athlètes. Une très belle finale aussi qui se profile à l'épée féminine avec de très bonnes techniciennes, avec Héloïse Verret de la capitale nationale du club d'escrime STH, une fille qui est entraînée par Charles Saint-Hilaire qui a été longtemps dans l'équipe nationale senior, très bon technicien, et Ariane Léonard qui est également de la Rive-Sud du club d'escrime Olympiade de Longueuil. On a eu des bons matchs, surtout dans les derniers combats, je dirais quart de finale, demi-finale, finale, c'est des bons combats. Donc on va voir un peu ce qu'ils donnent après par équipe. Par équipe après-midi. La Rive-Sud va être favorite par équipe puisqu'ils font 1 et 2 individuels. Donc ça va être chaud. On a eu des bons tireurs aussi du côté de Chaudière-Appalaches. À l'épée féminine, on a une grosse équipe aussi avec la capitale nationale, la Rive-Sud. Donc cet après-midi, ça va être assez chaud par équipe. Donc on va avoir une petite pause là justement pour que les athlètes puissent aller manger. Et on va voir donc de la compétition par équipe au fleuret masculin et à l'épée féminine dans une heure à peu près. On aura également la chance de s'entretenir avec Jiaki. Alors merci Dominique, on se voit cet après-midi. On se voit cet après-midi. Merci. Tout à l'heure. Alors bonjour Jiaki. Bonjour. Ça va bien?
Oui. Oui, je suis très content de t'en savoir ici. On est sur TVGO. Parle-nous de ton expérience ce matin. Est-ce que c'est ta première expérience aux Jeux du Québec? Oui. Alors, comment tu as vécu cette première matinée? J'ai été un peu nerveuse. Oui? Est-ce que tu as eu un bon support de tes coéquipiers, parce qu'on a la compétition par équipe cet après-midi? Alors, est-ce que ça regarde bien pour cet après-midi? Oui, je pense. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais de l'escrime? À peu près un an et demi. À l'école? Oui. Tu as commencé à l'école? Oui, à l'école. OK. Alors, est-ce que tu fais également partie d'un club? On parlait là avec Maître Dominique Tessac. Il y a l'escrime scolaire, il y a l'escrime civil, il y a des clubs. Est-ce que tu fais également partie d'un club? Oui. Et quel club est-ce que c'est? Brébeuf. Ah, c'est le club de l'école également. Oui. OK, parfait. Écoute, on va te souhaiter une meilleure des chances pour le reste de la compétition. En espérant te revoir mardi. Merci, oui. Jackie. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Alors, on se revoit un peu plus tard avec la compétition par équipe cet après-midi, mesdames et messieurs, en direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville pour la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville Hiver 2015.